Salut les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo, une vidéo que vous attendez tous avec impatience. J'ai eu du retard, hein, la vidéo devait sortir normalement fin septembre, mais avec mon déménagement, j'ai eu pas mal de choses à faire, pas mal de choses à ranger. En tout cas, voilà, le moment de tourner la vidéo est arrivé. Donc pour les trois gagnants, donc pour le jeu concours, donc il fallait trouver la différence entre 10 photos que j'avais mis. Donc les réponses qu'il fallait donner, c'était la photo numéro 5, la 7 et la 9. Donc bravo aux trois gagnants. Donc les trois gagnants, bon bah, j'ai essayé de les gâter là, étant donné qu'on a atteint les 1000 abonnés. On ne s'attendait pas à avoir autant d'abonnés. Donc merci à tous ceux-là qui nous suivent, à ceux qui partagent, qui mettent des commentaires et tout ça. Ça fait extrêmement plaisir. Donc un grand merci à vous tous pour ça et pour votre bienveillance surtout dans les commentaires. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc là, je vais vous montrer tout ça. Donc pour les trois gagnants, donc il y a pas mal de petites choses. Il y a certaines choses que j'aurais voulu rajouter, mais le problème c'est que je n'ai pas reçu tout. Donc mais il y a déjà pas mal de choses. Hein. Les trois gagnants seront gâtés. Il y a déjà pas mal de petites choses, mais il y aura d'autres jeux concours. Et tout ça, mais surtout n'hésitez pas à partager parce que les prochains jeux concours ce seront ceux qui partagent le plus les vidéos. Donc voilà. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Mettez les pouces en l'air, ça nous donne de la force et ça nous donne envie de continuer. Donc un grand merci à vous tous. Donc voilà, les trois gagnants vont recevoir un très gros carton, comme vous pouvez le voir. Assez lourd, donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a en détail dedans. Par contre, je vais demain à la poste pour savoir combien ça va me coûter parce que, vu le poids des cartons, il y en a trois. Je sais pas encore vos adresses d'ailleurs. Les trois gagnants, ben je vous invite à me contacter sur Messenger ou alors sur Insta. Oui, aussi pour les gagnants, donc merci à tout le monde, vous avez été nombreux à participer, hein, aussi bien sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, et ouais, sur Insta, ouais, je l'ai dit, donc voilà, donc j'ai regardé toutes les bonnes réponses, et j'ai fait un tirage au sort, donc voilà, désolé pour les autres, mais malheureusement, on peut pas faire gagner tout le monde. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir du carton et tout vous détailler. Donc voilà. Bon voilà les amis, j'ai tout sorti du carton. Donc sachez que les trois gagnants ont exactement la même chose. C'est identique dans tous les cartons. Hein, les autres cartons sont là. J'en ai fait 5 d'avance, ils sont au-dessus. Voilà. Et il y en a deux que je ferai gagner dans un prochain jeu concours. Mais sachez que tout le monde a exactement la même chose, identique. Donc j'ai essayé de faire pour un bien. Donc il y a un peu de tout. Il y a des lignes, il y a des bobines de fil, il y a des hameçons, il y a des perles, il y a de quoi faire des lignes. Il y a des flotteurs, il y a des plombs. Il y a du leurre, beaucoup de leurre. Il y a du leurre souple, du leurre dur, du leurre de surface. Il y a pas mal de turlutes aussi, des nouveaux modèles que j'avais achetés sur AliExpress. Étant donné que j'en avais acheté beaucoup, j'avais dit que j'en ferais gagner aussi quelques-uns. Donc voilà, et puis quelques leurres pour le brocher, mouliner, etc. Donc voilà. Donc bah on va commencer, je vais vous faire voir tout ça. Donc, dans le fond du carton, il y a des moulinets que j'avais achetés, j'en avais acheté 8. Et je m'en suis servi qu'un. Je m'en suis pour ainsi dire jamais servi. Donc je me suis dit autant les faire gagner. Donc voilà, un moulinet surf. Donc voilà. Ils sont neufs. Donc voilà. Ils sont dans l'emballage. Je les ai juste garnis de fil en 30 centièmes. Donc voilà. Moulinet pour le surf, pour commencer, c'est parfait.
Jusque la bobine elle est en plastique. Moi, je préfère un petit peu les bobines en alu, mais bon, ça fait le travail, ça ramène le poisson. Donc voilà, déjà ce qu'il y a dans le fond du carton. De toute façon, au niveau matériel, là, il y en a pour plus de 200 euros en matériel. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des bobines de fil ici. Au Kuma, ici, bobines de fil en 19 kilos. Voilà, pour faire votre ligne et pour faire les bas de ligne. Super fluor ici. Hein, c'est des couleurs, le merlan qui va arriver et tout ça. Donc voilà, ligne, bas de ligne. Voilà ce qu'il y a dans le carton également. Donc tout le matériel est neuf. Donc voilà. Ensuite, je vous ai fait 15 lignes. Donc en mélange. Alors je vous montre ça. Donc, il y a hameçon numéro 6, hameçon numéro 4, c'est marqué dessus. Ligne à 3, hameçon numéro 4, hameçon numéro 6. Voilà. Donc là, ici, il y a 5 lignes à 3 en mélange pour le surf ou peu importe les pêches que vous faites. Voilà. Ensuite, pareil ici, 5 lignes à 2. C'est noté à chaque fois dessus. Voilà, 5 lignes à 2. Et 5 lignes à 1 ici. Voilà. Ensuite, les amis. Dans une petite pochette ici. Ce que je ferai, c'est qu'à la fin, je mettrai tout sur la table pour que vous voyez en gros. Dans une petite pochette ici. Il y a un petit peu de tout dedans. Il y a des perles flottantes. Il y a des hameçons. Il y a des perles. Il y a une trentaine de paquets. Il y a une trentaine de paquets avec des perles. Des hameçons, des perles flottantes. Des barils. Des émerillons. Des agrafes. De quoi faire ses lignes soi-même. Donc voilà, en mélange, il y a de quoi faire. En hameçon, il y a toutes les tailles aussi, hein, c'est comme vous voulez. Il y a de quoi faire. Hop, dans le carton. Ensuite, ici, il y a une ligne à poil à balai toute faite ici. Voilà. Et là, pareil. Sauf que l'armature est en ferraille. Voilà. Dans le carton. Allez, ensuite, il y a du plomb. Alors en plomb, vous avez un plomb perle ici, 200 grammes. Un plomb perle en 175 grammes. Un plomb perle en 150 grammes, un plomb perle en 125 grammes et un plomb perle en 100 grammes. Donc voilà, 5 plombs perles. Et dans le carton, il y a un petit carton avec tous les plombs différents et disponibles. Donc ensuite, il y a deux plomb grappin en 150 ailettes. Il y a un plomb double pyramide en 150 grammes. Ensuite, en 150 grammes, il y a un plomb portugais rose. Un plomb portugais sable, coloris un peu mouillé, et sable un peu plus clair. Donc, trois plombs en 150 grammes. Ensuite, toujours en 150 grammes, trois plombs simples, un jaune, un orange, un rouge, plomb d'essai. Voilà pour le petit carton. Ensuite, ici, vous avez des plombs fixes.
Donc le blanc en 180 grammes, avec le normal en 180 grammes, le rose en 150 grammes et le sable en 150 grammes. Donc 2 en 180 et 2 en 150. Ensuite, ici, vous avez des plombs phosphos. Donc pour l'été, la sole et tout ça. Donc vous avez un plomb portugais modifié. Vous avez un plomb rotocobre dedans. Vous avez un plomb portugais 16 faces. Vous avez un plomb balle de golf. Et un plomb sporten. Donc 5 plombs phosphos. Voilà. Et ici, vous avez 20 plombs en mélange de 130 grammes à 30 grammes. Donc, coloris carpe. Il y a un peu en mélange de toutes sortes. Il y a des branches, il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu les petits montages et tout ça. Ouais, par contre, pour les montages, les zips et tout ça, j'ai utilisé ce que j'avais pour emballer. Donc, voilà ce que vous avez dans le petit carton de plomb. Hop, on va remettre ça dans le carton. Donc tout sera bien emballé, hein, bien sûr. Alors ensuite, vous avez un lot de 5 balancines également. Voilà. Ensuite ici, vous avez Starlight avec les trois attaches Starlight. Et derrière, je vous ai mis les Starlight électriques avec les batteries et le chargeur. Plus les accroches pour les différentes cannes de deux grosseurs différentes. Donc voilà. Ensuite, un plastique ici, je vous ai mis un lot de 10 jeux de plumes. Donc, vous avez un peu de tout, une dizaine de jeux de plumes. Il y en a 10, je crois. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Donc, certains chez Flashner, d'autres, voilà. Un peu en mélange. Voilà, un peu pour tout, un peu pour le macro. Un peu pour tout. Donc, voilà. Dans le carton. Alors, ensuite, vous avez une clochette comme ça. Voilà. Vous avez trois petits flotteurs comme ça. Donc, un petit et deux moyens. Voilà. Alors, ensuite, ce que je vais faire là, c'est qu'on va faire les leurres souples. Et puis après, je vais vous montrer les dernières choses. Donc là, ici, j'ai mis une petite pochette de chat comme ça. Donc il y a 10 chats dedans qui vont très très bien, notamment pour la pêche du bar. Moi, je les utilise. Ils vont très très bien. Voilà. Ensuite, une petite pochette avec X-Layer blanc. Ensuite, ici, je vous ai fait une grosse pochette avec 15 one-up en 100 mm, avec de l'autre côté tous les têtes plombées. Pour les monter soit en texan ou en normal, donc je vous ai mis des têtes plombées boules, des têtes plombées shad ou lançon. Donc voilà. Et au niveau les boules ici, par exemple sur texan, il y a de 12 à 20 grammes en mélange. Donc voilà, un beau paquet de leurres. Et ici, je vous ai mis deux petites pochettes où j'ai rassemblé une dizaine de coloris ici en 90, pareil. Voilà. Donc voilà tout ce qu'il y a en leurre. En leurre souple. Voilà.
ça n'en fait pas mal. Là ici, il y a également un leurre souple ici avec un deuxième corps. Donc voilà pour le bar. Hop, dans le carton. Allez. Ensuite ici. Bon, c'est pas la pochette d'origine, hein, mais je vous ai dit, j'ai emballé comme je pouvais. Je vous ai mis trois nitrochats ici, de différentes couleurs. Voilà, ils sont déjà montés pour le bar. Voilà. Ensuite, un chat dans Texan de chez Flashmare, pardon. Voilà. Donc, il y a de quoi faire avec tout ça. Ensuite, ici, je vous ai mis deux imitations de Black Minnow en 14 grammes. Voilà. Coloris jaune, coloris orange, 14 grammes. Ensuite, je vous ai mis un lot de 5 jigs en mélange dans une petite pochette. Bon, la pochette, c'est pas la pochette d'origine. Et je vous dis, je fais avec les moyens du bord. Donc voilà. Ensuite, leurre de surface ici. Tispook, Tiasturi. Donc il y en a 3. Voilà. Des coloris sympathiques. Donc voilà. Un leurre ici, très connu, qui marchait bien, de valeur sûre, le Sparrow. Incontournable. Voilà. Ensuite ici, une sorte de petit leurre comme ça, à palette. Pour le bar avec les cuillères tournantes, qui fonctionne très très bien aussi. Ensuite, je vous ai mis 5 petits jerks, donc ils sont tout neufs. Hein. Voilà, un blanc. Le deuxième ici. Troisième. Coloris Malboro. Et le dernier. Voilà. Voilà. Pour ces 5 leurres là. Il va falloir que j'emballe dans du papier bulle si je trouve. Ensuite, pour ceux qui me suivent depuis plus longtemps, j'avais fait une pêche au brochet une fois où j'avais acheté des leurres. Et ça ne me convenait pas. Mais si certains d'entre vous pêchent dans des étangs, bah peut-être que ça, vous aurez plus de chance que moi. Donc j'avais dit que je les ferais gagner, donc je les ai mis. Donc voilà les leurres, mais ça c'est pour le brochet. Hein. Donc je les ai mis dans les cartons aussi. Vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà pour le premier. Le deuxième, une sorte de petite brème comme ça. Donc de la marque de chez Storm. Ici, une petite perche comme ça. Et là, un petit brejeton. Donc voilà. Et puis là, bah, on va passer tout simplement au turlut et tout ça. Hein. En plus, c'est la période. Donc tout d'abord, je vous ai mis une bobine de suffixe. Parce que moi, c'est les bobines que j'utilise moi. C'est du 5,4 kg, c'est ce que j'utilise moi pour pêcher le calamar. C'est un très bon fil, en plus on le voit bien. Donc voilà, je vous ai mis une petite bobine de 600 mètres. Donc voilà. Ensuite, ici, 4 petites turlutes flottantes en plastique. Ici,
Une petite boîte avec 5 petites turlutes aussi également. Une nada bleue, de la phosphore, rose, rouge, verte. Voilà. Et ensuite. Les turlutes que j'ai achetées en gros sur AliExpress et j'ai dit que j'en ferais gagner quelques-unes. Donc pour les trois gagnants, là vous avez les mêmes. Donc voilà. Première turlute, les deux. Voilà, en blanc. Elles sont magnifiques et elles fonctionnent très très bien. Surtout celles en blanche. Là, j'ai déjà fait pas mal d'encornés avec, donc ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà pour les deux premières. À mettre dans le carton. Hop là. Ensuite, ici, une rose et une orange. Je les ai pas encore testées, donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas, les trois gagnants, c'est dans le carton. Donc voilà. Ensuite, ces deux modèles-là ici, en orange et en jaune. Ensuite, ici, deux autres modèles qui fonctionnent très très bien. J'ai eu des beaux résultats. Donc voilà. Ensuite, trois turlutes flottantes. Voilà, de différentes couleurs. Ensuite, ici, une jolie turlute ici. Encore. Et ici, trois modèles de turlutes encore. Voilà. Voilà, les amis. Et là, ici, je vais rajouter ça. Donc, c'est une lampe hein, pour attirer les calamars et tout ça, pour ceux qui connaissent. Donc, voilà. J'enlèverai la pile. Vous avez des piles à la maison, je pense. Donc, voilà. Hop, on va enlever la pile et on va mettre ça dans le carton. Et voilà. Donc, c'est tout, les amis. Ce que je vais faire là, c'est que je vais tout installer sur la table pour tout vous remontrer en gros. Mais voilà tout ce qu'il y a. Donc, je pense qu'il y a pas mal. Hein, j'ai essayé de faire plaisir. Après, le but, c'est pas de me ruiner non plus, même si pour les trois gagnants, là, il n'a pour plus de 600 euros de matériel facile. Mais bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, bon. Quand j'achète en gros, généralement, donc ça me revient moins cher. Donc voilà. Donc je vais refaire la vidéo avec tout sur la table. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, j'ai mis plus ou moins sur la table. Donc voilà, on a le moulinet. On a pas mal de choses. On a tous les petits leurres brochés. Les leurres mères, les turlutes, tout ça. Là, on a le bac avec tous les plombs, les mélanges. Là, avec la lumière, on voit mieux. Voilà. On a tous les petits leurres. Voilà. Il est trop chaude. Les digues, tous les petites turlutes que j'avais achetées. Voilà. On a les grosses pochettes. Leurre. Avec tous les têtes plombées, tout à l'arrière. Les bobines des fils et tout ça. Toutes les lignes qui sont faites ici. Tous les turlutes. Voilà. Là, les deux lignes comme ça. Le petit truc ici pour retirer les calamars. Donc des petites pochettes ici pareil voilà. Là ici on a tous les jeux de plumes ici. Les petits flotteurs, les balancines, les petits shads, encore des jeux de plumes. Des jeux de plumes, des toilettes, pardon. Là aussi tout un assortiment avec des hameçons, des perles, des plats flottants, des émerillons, tout.
On a ici les imitations de Black Minnow, leur sous tabac. On a ici les jackbait. Donc voilà tout ce qu'il y aura dans le carton, les amis. Il y en a pas mal. J'espère honnêtement que ça vous fera plaisir. Pour les trois gagnants, n'hésitez pas à m'envoyer une photo dès que vous avez tout reçu. Hein? Ça me ferait plaisir d'avoir un petit retour. Donc voilà, j'espère que vous serez contents. Et puis, le prochain jeu concours, il y a deux cartons similaires à celui-là. Où j'ai mis peut-être quelques petites bricoles en plus. Mais ce sera pas tout de suite, mais ce sera pour les personnes qui partagent le plus, les personnes les plus présentes. Donc voilà. Un grand merci à vous tous encore. Et puis ben j'espère que tous ces petits cadeaux vous feront plaisir. À très vite les amis, et surtout un pouce en l'air. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. C'est gratuit. Allez, à très vite les gars pour une nouvelle vidéo.